Jésus. Amen.
laisse la paix se faire en ton intérieur un instant. Commence à oublier les problèmes, les difficultés de la vie, Seigneur. Nous te les présentons aujourd'hui, Père. Nous les plaçons à tes pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous présentons devant toi, mon Dieu, ce matin, mon roi, nous voulons dire combien nous t'aimons, combien tu es précieux, et combien tu comptes à nos yeux, Seigneur. Plus. Plus de ton action dans l'église. Plus de ta présence. Et verse, Seigneur, ton esprit. Verse ton esprit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Remplis chaque personne d'allégresse, Seigneur. Remplis-la de ta joie ce matin, Seigneur. Remplis-la, mon Dieu. Remplis-la, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Bon frais de ta présence, Seigneur, sur ton peuple. Exalté, digne de gloire, digne de honneur, digne de louange, Père, Seigneur, en tout temps et en tout lugar, Seigneur, en tout endroit, en esta hora, Seigneur, et à cette heure, en este lugar, Seigneur, dans cet endroit, tu te levantas, Seigneur, tu te lèves, tu te levantas, Seigneur, tu eres rey de reyes, tu es roi des rois, tu es Seigneur, tu es rey de reyes, Seigneur, roi des rois. Te damos, Señor, la alabanza de nuestro corazón, Señor. Venimos a ti con gratitud, Señor. Venimos a ti, Señor, con alabanza. Venimos, Señor, a ti con ofrenda, Señor. Con ofrenda agradable, Señor. Agréable. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestro corazón en esta mañana, Señor, porque solamente tú, Señor, eres digno. Solamente tú eres Dios. Solamente tú eres Dios. Solamente tú. Seulement toi. Nos amas con amor eterno, tu nous guéris avec ton amour éternel. Tu, Seigneur, diste tu vida seulement pour toi, mi, tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, en esta mañana, mi corazón, ce matin, Seigneur, mon cœur, Seigneur, te adora. T'adore. Mi corazón te alaba, cœur, Seigneur. Te Seigneur, en todo tiempo en y en todo lugar. Et en tout tu nombre temps. Es digno de ser ton nom est digne d'être exalté. Alléluia, alléluia. Remplis, Seigneur. Remplis chaque personne ce matin, Seigneur. Celui qui nous regarde à la télévision, Seigneur. Celui qui est ici dans l'église, Seigneur. Remplis-le ton esprit, Seigneur. Remplis-le, mon Dieu. Je me disais, mais là,
bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton nom, bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton glorieux nom, bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton nom. Béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand les montants comme les cèdres, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, sur le chemin de la souffrance. Malgré la douleur des offrandes, béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres s'élèvent contre moi, je te dirai. Béni soit ton nom. Bénisse ton nom, bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton glorieux nom, bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton nom, bénisse le nom du Seigneur, bénisse ton glorieux nom. On va partager la parole que le Seigneur m'a donnée pour toute l'Église. Je veux qu'on prenne notre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc 10, verset 38 à 42. Alléluia! Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Une seule chose est quoi ? Nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne va pas lui être retirée. Et enfin, ma sœur, il y a des choses que tu peux faire pour Dieu. Il y a des choses que tu peux faire pour ta vie. Mais il y a une chose qui est plus importante encore et qui ne va pas t'être retirée. Alléluia. Et c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et écoute bien ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En espagnol, la Bible Reina Valera traduit « Tu t'efforces et tu es troublé par beaucoup de choses. » Et le mot qui est utilisé pour « s'efforcer », le mot qui est utilisé pour « s'inquiéter », c'est le mot « merimnao », qui est un mot grec, qui veut dire « être préoccupé ». Avoir de l'intérêt, s'efforcer et faire attention. Dis avec moi, s'efforcer et faire attention. Alléluia. Le mot utilisé pour troubler, c'est le mot turbasso, qui en grec veut dire rendre trouble, ou veut dire perturber. Et le Seigneur est en train de dire, Marthe,
t'es préoccupé, tu as de l'intérêt et tu t'efforces pour beaucoup de choses où tu leur accordes ton attention et tu es rendu trouble, tu es troublé, tu es perturbé par beaucoup de choses alors qu'une seule chose est nécessaire, c'est de passer du temps avec moi. Alléluia! Et il y en a parmi vous qui se préoccupent pour beaucoup de choses. Et ils oublient l'important qui est de passer du temps avec Dieu. Qui est de passer du temps à ses pieds. Et regardez bien à quoi était occupée Marthe avec sa maison. La Bible dit qu'elle était occupée aux soins domestiques. C'est-à-dire qu'elle était en train de faire le ménage. Elle arrangeait sa maison. Et certainement, elle préparait sa maison pour recevoir le maître. Et le mot qui est utilisé, c'est diakonia, qui est un mot grec qui veut dire à la fois service et aide. Et qui désigne à la fois les soins domestiques et le service qu'on fait quand on est dans le ministère. Et donc, Marthe était occupée à préparer, elle était occupée à servir juste le jour où venait Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Le jour où le Saint-Esprit vient dans ta maison représente ta vie, c'est avec lui que tu dois être, non? Alléluia, je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Et Marthe, elle était occupée à faire un tas d'autres choses, à ses propres pensées, à ses propres intérêts, à ses propres illusions, à sa propre maison. Amener un service au Seigneur, qui sait? Parce qu'elle disait, il faut amener une maison propre, il faut qu'elle soit belle, pour que le Seigneur Jésus rentre, pour que je puisse le recevoir, non? Et Marie, à la place, elle a fait quoi? Tu veux jouer Marie? Je veux faire le Seigneur Jésus, si tu me permets. J'ai le vêtement blanc, non? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle s'est assise au pied. Alléluia! Il y a quelqu'un qui veut faire Marthe? Qui c'est qui veut faire Marthe? Tu veux faire Marthe? Viens, Pauline. Allez, t'es spirituelle, tu peux faire Marthe un instant. Qu'est-ce qu'elle faisait, Marthe, elle? Elle amenait des plateaux, elle balaye. Vas-y, balaye, balaye. Balaye tout, tu nettoies. Elle faisait quoi? Ça, c'est Marthe. Ça, c'est Marie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lequel d'entre vous est Marthe? Lequel d'entre vous est Marie? Merci, mes soeurs. Alléluia. Alléluia. Lequel d'entre vous, quand la présence du Seigneur vient, est en train de s'occuper vraiment de ce qu'il a à dire, est en train de rentrer dans son esprit, au lieu d'être en train de s'occuper de ses propres affaires? Et il y en a qui vont dire, pasteur, c'est spirituel, parce qu'elle était en train de servir, elle arrangeait la maison, comme toi tu fais, je sais que tu arrives le matin pour arranger l'église. Mon frère, ma soeur, c'est bien subtil. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Dis avec moi, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour que je prépare la maison du Seigneur, pour que tu puisses t'asseoir, pour que mon frère, ma soeur vienne et que la chaise elle soit nettoyée, elle soit désinfectée, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et il y a un temps pour adorer le Seigneur et pour être dans son esprit. Alléluia. Et c'est quoi notre problème alors? Notre problème, mon frère, ma soeur, c'est qu'on n'est pas dans le temps de Dieu. Et on est perturbé, on est troublé, on est dérangé. Par quoi? Par beaucoup de choses. Alléluia. Wow. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, je voulais t'adorer il y a quelques instants, il n'y avait pas moyen d'entrer dans l'esprit, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que Dieu est en train de nous faire une démonstration empruntée? Pourquoi? Parce que notre pensée, elle est venue ici troublée et perturbée et dérangée avec beaucoup de choses. Alors qu'une seule chose est nécessaire, dit la parole, c'est te tenir avec moi. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça qui est plus important, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est pas plus important que ton cœur se calme et rentre dans la présence de Dieu plutôt qu'autre chose? On a besoin de la technique. On a besoin du matériel. On a besoin que la salle soit prête. Et c'est absolument nécessaire parce que sinon on est perturbé aussi avec ces choses-là parce qu'elles ne sont pas prêtes. Mais il y a un temps ensuite pour rentrer dans l'esprit. Dis avec moi, rentrer dans l'esprit. Et c'est la même chose dans ta vie quotidienne, c'est la même chose dans ta vie de tous les jours, mon frère, ma soeur. Parce que si tu laisses pas le Saint-Esprit rentrer dans ta vie comme il devrait y rentrer, tu vas commencer à avoir un problème et ça va se transformer en un jour de religion.
Et le Seigneur n'est pas une religion, il est Dieu, il est esprit. Amen. Et quoi, il est Dieu? Il est esprit. Alléluia. Et si je me laisse perturber par toutes les choses par lesquelles le diable veut m'attirer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rater la meilleure part. Et le Seigneur lui dit à Marthe, une seule chose, et quoi? Et nécessaire. Ça y est, il est en train de dire le reste. Le reste, tu peux l'envoyer promener. C'est pas que c'est pas important. C'est que ça a beaucoup moins de valeur que ce que moi je suis en train de te dire, ou ce que mon esprit peut faire, ou qu'il peut ministrer dans ta vie. Alléluia. Je me fais comprendre? Il y a un temps pour venir à l'église, et c'est le dimanche, c'est le temps voulu par Dieu. Et la Bible appelle ça comment, le jour du sabbat? Le jour du repos. C'est un repos pour qui? C'est un repos pour votre âme. C'est un repos pour votre pensée. Quand tu es connecté derrière ton écran parce que tu n'as pas pu venir, tu ne peux pas te déplacer pour une raison X ou Y. Peut-être tu habites à des centaines de kilomètres. Mais le moment que tu passes avec Dieu dans cet instant-là, ça va être un repos pour ton âme. Alléluia. Je me fais comprendre. Et mon frère, ma soeur, Dieu a prévu un temps de repos pour chacun, pour que son esprit puisse se reposer le dimanche et aussi les autres jours. Alléluia. Mais regardez bien ce que dit le Seigneur à Marthe. Préoccupé, troublé. Par quoi? Par beaucoup de choses. Et quand un liquide est troublé, il est plus pur, il n'est pas transparent. Si les caméramans peuvent nous montrer ce verre. Vous voyez, ce vase, il est... C'est de l'eau pure, non? Alléluia. Mais si j'y verse, si j'y verse ça, alors il devient comment? Il devient troublé. J'aurais pu en mettre beaucoup moins. Il aurait été troublé quand même, n'est-ce pas? Alléluia. Si quelqu'un peut m'amener un petit chiffon, s'il vous plaît. Et si tu es troublé comme ce vase, est-ce que ta vie spirituelle, merci pasteur, va être agréable devant Dieu? Je me fais comprendre? Est-ce que Dieu n'est pas venu nous dire, je suis venu vous donner de l'eau vive et je suis venu pour que vous l'ayez en abondance, je suis venu pour vous donner la vie? Est-ce que l'esprit, ce n'est pas la vie? Alléluia. Mais si on est troublé, si on est perturbé par toutes ces choses, alors on n'arrive pas à rendre un culte agréable au Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous fait un exemple pratique pour qu'on puisse le comprendre. Mais pour que nous puissions comprendre que dans notre vie de tous les jours, dis avec moi, ma vie de tous les jours, c'est la même chose avec Dieu. Je me fais comprendre? Et donc si je prends ce verre et que maintenant je bois cette eau, ma soeur Pauline, je sens que tu as envie de boire. Non, non, elle rit. Hein. Elle détourne le visage. Hey, quelqu'un veut boire cette eau maintenant? Non. Mais si je te l'avais donné tout à l'heure, tu l'aurais bu. Ah. Et donc si la Bible nous enseigne que nous sommes comme des vases pour le Seigneur et que Dieu nous remplit, non? Amen. Et si toi t'es rempli de cette eau troublée, non seulement elle te rafraîchit pas, mais elle va pas rafraîchir les autres non plus. Alléluia. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a la responsabilité d'arriver en étant le moins, comment? Troublé possible. Il y a avec moi le moins troublé possible. Il y a des personnes qui vont se souvenir de cette prédication et elles vont se rappeler le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi qu'elles doivent passer du temps avec Dieu. Alléluia. Elles vont se rappeler que l'eau de l'esprit doit être pure. Amen. Je me fais comprendre? Et tu as besoin de passer du temps avec moi, te dit le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes ici et parmi celles qui nous regardent à la télévision, qui sont épuisées de courir.
et sont épuisées parce qu'elles mettent en priorité ce qui n'est pas une priorité dans leur vie. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ta priorité, c'est moi, te dit le Seigneur. Je suis ta priorité, te dit l'Esprit. Alléluia. Quand Marthe est arrivée, et elle s'est mise à courir partout alors que Marie s'est simplement assise, pendant que le Seigneur Jésus était là, Marie s'est assise et elle s'est mise à écouter ce que le Seigneur avait à dire. Viens avec moi, écoutez. Vous avez déjà vu des élèves dans une salle de classe? Il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école. Non? Mais c'est comment si les élèves ils sont distraits, ils lancent des avions en papier? Tu fais ça toi? Non. Hein? Mais tu arrives à écouter le professeur quand les autres ils lancent des avions? C'est plus dur. Hein? On est distrait, n'est-ce pas? Alléluia! Et dans l'église c'est la même chose. Quand tout le monde il est en train de regarder autre chose, qu'est-ce qui se passe? On est distrait, non? Et si Dieu est en train de parler dans ton cœur, ma sœur Rachel, et que toi tu es occupé avec les choses de ta vie et tu dis Seigneur, comment je vais m'occuper de mon fils et je vais lui acheter à manger et j'ai besoin de lui acheter un blouson pour la rentrée, et tu es là et ta préoccupation elle est jusqu'à. et Dieu veut te rafraîchir avec l'eau du Saint-Esprit et il est en train de te dire dépose ça devant moi parce que je peux tout te donner, dit le Seigneur. Alléluia! C'est vrai que ta carrière, comment je vais réussir maintenant qu'on m'a dit non plusieurs fois? Comment ça va marcher maintenant? Est-ce que c'est possible pour moi? Et le Seigneur te dit oui, c'est possible. À tout est possible, à celui qui croit. Amen, alléluia. On est où mes frères et sœurs? Ici, on est au centre de vie de la foi. Amen. Et tout est possible à celui qui croit, mon frère, ma sœur. Quand nous sommes attentifs à ce que l'Esprit du Seigneur nous dit, notre âme n'est pas troublée. Alléluia. Et tu as besoin que tous les jours de la semaine, mon frère, ma soeur, tous les jours quand tu t'assois, tous les jours quand tu vas travailler, tu sois non pas comme ce vase. Tu vas t'en rappeler de ce vase parce que regarde, il est taché et tu sais ce qui s'est passé. Il a même taché la table autour. Et quand j'ai versé, il m'en restait même sur les mains. Tu as besoin d'être pas comme ce vase, comme il est maintenant. Tu as besoin d'être comme ce vase, comme il était avant. Avec une eau pure, une eau fraîche, remplie du Saint-Esprit pour les gens. Alléluia! Parce que nous sommes l'église de quoi? Nous sommes l'église des gens, nous a dit la prophète. Alléluia! Ça veut dire que nous devons pouvoir donner à chacun ce qu'il doit boire. Amen! Et comment tu vas faire si tu n'as pas été au puits dans la semaine, tous les jours, pour aller boire ta dose quotidienne du rafraîchissement du Saint-Esprit? Alléluia! Il y a de nombreuses personnes à qui le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, prends un temps avec moi. Prends un temps chaque matin. Alléluia! Vous savez, moi j'aime bien mon beau-frère Beto, qui est argentin. Parce que quand il s'assoit avant d'aller travailler, il est artisan. Il travaille à son compte. Il s'est arrangé pour pas être trop pressé par son travail, parce qu'il voulait servir le Seigneur. Et il est à son compte, et il répare des objets, il entretient des maisons, il est très bricoleur, c'est un gars comme ça. Mais le matin, quand il s'assoit avec son maté, comme tout bon argentin. Vous avez déjà vu le maté? Les Colombiens, ils savent. Hein. C'est un thé dans lequel on met l'herbe à l'intérieur avec une paille et on boit comme ça. Et il s'assoit tous les matins avec son maté et il commence à passer du temps avec Dieu. Tous les matins. Je l'ai vu parce que quand on va là-bas, il nous héberge dans sa maison. Juste à côté. Il ne sort pas de sa maison sans avoir passé un temps avec le Seigneur. Et je le vois au bout d'un moment, il se lève. Et en hiver, ça me fait toujours rire parce qu'en hiver, il a sa voiture garée dans son jardin. Et il sort avec une théière brûlante comme ça. Et sa femme lui passe la théière par la fenêtre et après il arrose son pare-brise pour dégeler le pare-brise et il va travailler. Mais tous les matins, il a passé entre 30 et 45 minutes ou une heure avec Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia! Et donc on doit savoir ce qui est important.
parce que tu vas emmener au ciel ni ton travail, ni ta maison, et peut-être même pas ta famille, qu'est-ce que tu en sais? Qui sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Qui sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Nous dit le Seigneur Jésus. Bien sûr, on a la foi pour croire, il y a des promesses pour ça, n'est-ce pas? Alléluia! Il nous dit, si tu es sauvé, toute ta famille sera sauvée. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, qu'il y a une décision personnelle que chacun doit prendre. Et Dieu, il n'est pas contre ces choses-là. Et la vérité était là en train de te préoccuper. Si celui-ci ou celui-là sera sauvé, tu ne te préoccupes pas de ta propre vie et de comment tu te tiens devant moi, te dit le Seigneur. Chacun est responsable de son salut, mon frère, ma soeur. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit, je travaille à mon salut avec quoi? Avec crainte et tremblement. C'est pas parce que tu t'assois tous les dimanches à l'église que tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel parce que tu as cru en Jésus et tu as reçu le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Ma soeur, le masque, s'il te plaît. Alléluia, c'est très important. Gardez bien le masque. C'est la loi, on est obligé. Alléluia. Merci. Et tu vas aller au ciel si tu es sauvé et si tu persévères dans la foi. Et c'est quoi la foi? C'est celui en lequel tu as cru, dans l'application de la parole de Dieu. C'est ce qui va t'amener au ciel, c'est ce qui va t'y conduire. Et il y a une multitude qui va commencer à te suivre si tu es rempli de l'eau du Saint-Esprit et que tu n'es pas perturbé et troublé comme ce vase. Alléluia! Et aujourd'hui, Dieu nous en avertissons sévère. Il nous secoue et il nous dit, c'est la rentrée, oui, mais ma présence... C'est plus important que toute l'agitation du monde qui va commencer à venir. Et vous allez commencer à voir la politique et les gens et les manifestations et les divisions et les grands rassemblements. Et le Seigneur vous dit, vous devez passer du temps avec moi parce que vous devez me connaître. Alléluia! Rompe cariba qui chante monte cariman de soita. Il y a une présence de Dieu qui va commencer à venir sur l'église, l'onction va commencer à venir et le salut va commencer à arriver dans la vie de beaucoup. Mais il y a de nombreuses personnes qui sont à la télévision et qui nous regardent en ce moment. Et il y a de nombreuses personnes qui sont dans l'église, auxquelles le Saint-Esprit dit, je veux te voir chaque matin. Alléluia. Et je viendrai, et te dit le Seigneur, prends un rendez-vous avec moi. Alléluia. Viens avec moi un rendez-vous. La Bible nous dit des notes. En Genèse, au chapitre 5, verset 24, qu'il marcha avec Dieu. Dis avec moi, il marcha avec Dieu. Et puis ensuite, elle nous dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il l'a emmené d'un seul coup. Alléluia. Un jour, Dieu l'a emmené. Tu peux regarder dans la parole de Dieu et tu vas trouver que Enoch, contrairement à tous les autres hommes et femmes qui sont cités dans la Bible, pour la plupart, quasiment tous, pour lui, il n'y a pas de date de mort. Alors que les autres, tu vois, ils sont morts. Celui-là est mort à 942 ans. Celui-là à 765. Non, c'est vrai qu'à l'époque, on vivait un peu plus longtemps. Dieu n'avait pas limité la vie à 120 ans à ce moment-là encore. Mais même si tu continues à lire dans l'Ancien Testament et tu lis encore après, tu trouveras la date de mort de chacun. Le roi Ozias est mort à tel âge et celui-là est mort à tel âge. Mais pour Enoch, la Bible ne dit pas qu'il est mort à cet âge-là. La Bible nous dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce qu'il a marché avec Dieu. Marché avec Dieu dans une amitié permanente avec lui. Si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'il l'a connu à 65 ans. Et qu'ensuite, il a marché 300 ans avec lui jusqu'à sa 365e année. Et la 365e année, Dieu l'a emmené. L'Esprit du Seigneur l'a pris et il l'a emmené avec lui pour l'amener au ciel avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il y avait une amitié. Il y avait une relation et il y avait une marche quotidienne avec lui dans sa parole. Alléluia! Dis avec moi, je veux être comme Enoch. Et il y en a mes frères et sœurs qui vont l'être et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit que quand le Seigneur Jésus va revenir avec ses anges sur les nuées, ceux qui sont encore vivants à ce moment-là, la Bible dit qu'il va faire quoi? Elle dit qu'il va aller les emmener. C'est-à-dire ils vont vivre ce qu'a vécu Enoch. Ils vont être pris et emmenés au ciel.
ils vont vivre ce qu'a vécu aussi le prophète Élie. Le prophète Élie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit à Élisée, si tu me vois, pendant que je suis emmené au ciel, et pendant qu'Élisée le regardait, les chars de feu sont passés, avec les anges dessus, et... Et les prophètes qui étaient là, ils ont tous dit, on va aller voir sur les montagnes, s'il n'a pas été emmené par l'Esprit du Seigneur et déposé sur quelque montagne que ce soit. Parce que c'est ce qui arrivait la plupart du temps. Mais non, mon frère, ma soeur, ce jour-là, Dieu n'a pas déposé le prophète un peu plus loin sur une montagne, comme il avait l'habitude de le faire. Imaginez qu'ils avaient l'habitude de vivre dans le surnaturel, mes frères et soeurs. Et avec moi, dans le surnaturel de Dieu. Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel. Toi qui es à la télévision en train de nous regarder, l'Esprit du Seigneur te guérit maintenant. Reçois ta guérison, sois restauré au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème de foie, et le foie maintenant se guérit, maintenant se restaure, elle sent une chaleur, et il y a une guérison surnaturelle qui est en train d'arriver dans sa vie. Alléluia! Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel de Dieu. Alléluia! Et on veut ton témoignage, écris-nous sur la page au centre de vie de la foi. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur te bénit et il va t'amener dans la partie de bénédiction qu'il a promis d'accomplir pour toi. Alléluia! Il y a une personne qui vit la guérison divine en ce moment et il y en a d'autres qui sont en train d'attendre. Un petit peu comme dans la piscine de Bethesda où ils attendaient qu'un ange... Ange et Angelos, un envoyé de Dieu, viennent et qui secouent les eaux. Pourquoi faire? Et quand l'ange passe rentrer dans la piscine, il se passait quoi? Celui qui se baignait le premier à ce moment-là était guéri, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus, quand il est passé, il n'a pas eu besoin de jeter la personne dans la piscine. Il l'a guéri comme ça. Parce que mon frère, ma soeur, il y a un fleuve du Saint-Esprit qui coule en permanence pour guérir et pour restaurer celui qui en a besoin. Alléluia! Et cet homme, mon frère, ma soeur, n'est pas troublé. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois un canal de bénédiction pour que l'eau de l'Esprit puisse couler dans ta vie. Dis avec moi, un canal de bénédiction. Mais si ce canal, il se laisse troubler, il se laisse perturber par les circonstances ou les difficultés de la vie, qu'est-ce qui risque de se passer? L'eau qui vient d'en haut risque de couler et elle risque d'être tachée. Avec moi, tachée. Qu'est-ce qui se passe? C'est taché, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand c'est taché? C'est pas propre. Rappelez-vous que au temps de l'apôtre Paul, on prenait des mouchoirs sur lesquels il priait, il imposait les mains, et après les gens amenaient le mouchoir au malade, et quand il l'imposait, il était quoi? Guéri. Amen. Mais si ton mouchoir est taché, je me fais comprendre? Je suis venu te dire que tu as la responsabilité d'amener à Dieu une eau pure. Dis avec moi, une eau pure. Alléluia. Parce que lui, il déverse à travers toi cette eau pure. Et quand tu amènes cette eau aux gens, elle doit être complètement pure de toute perturbation du monde. Dis avec moi, dehors la crainte. Dehors la préoccupation. Il y a des personnes qui sont préoccupées par leurs enfants parce qu'ils doivent aller à l'école et elles ne savent pas trop ce qui va se passer. Et le Seigneur te dit, dehors la crainte, dehors la préoccupation. Alléluia! Le Seigneur dit, je vais prendre soin d'eux. Parce qu'évidemment, elles ont des tas de raisons de s'inquiéter, elles ont des tas de raisons de craindre. Mais le Seigneur te dit, je prendrai soin d'eux. Dis avec moi, j'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi. Les mamans, je vois que les mamans, elles lèvent leurs mains un instant. Ferme leurs yeux et dis, Seigneur Jésus, je ne vais pas me laisser perturber, je ne vais pas me laisser préoccuper. Mais j'ai besoin de ton souffle et j'ai besoin, Seigneur, que l'eau de l'Esprit puisse couler à travers moi librement et que chacun de mes tout-petits soit béni aussi.
au nom de Jésus. Seigneur, je te fais confiance, tu vas les garder, tu vas les protéger, même entre les mains des gens du monde, Seigneur. Urabaka Santa Karibaki Yashaita. Rompe papa papa papa. Seront maintenant les forteresses qu'il y avait dans ta pensée. Esprit de crainte, tu les lâches maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout trouble et toute préoccupation s'en va maintenant des vies au nom puissant de Jésus. Se rompent les forteresses maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, je sais pas, papa, 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 papa. Oh, il y a une personne qui se sent libre. Elle est à sa maison, mais elle sent que le poids qui pesait sur ses épaules est maintenant en train de partir. La crainte, la préoccupation. Oh, elle est en train de la quitter. Et elle sent cette grande liberté. Maintenant, les eaux du Saint-Esprit vont commencer à couler. Viens avec moi, viens, Saint-Esprit, viens. Remplis-moi. Verse en moi, Seigneur, ton onction et ta puissance surabondante, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Yeah, papa, 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 papa. Il y a une personne qui reçoit et elle reçoit la force en ce moment. Et c'est une personne qui était fatiguée, était épuisée émotionnellement. Et c'était comme un burn-out dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle arrivait à, en espagnol, on dirait un agotamiento, c'est-à-dire un épuisement physique. Et cet épuisement physique venait à cause de ses émotions. Et l'Esprit du Seigneur dit, je guéris tes émotions et ton corps va suivre, te dit le Seigneur. Diable, tu la lâches maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Voilà, dors, diable, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends la tête du serpent et la forteresse maintenant qui te tenait lié s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant s'écroule toutes les cartes que l'ennemi a placées contre toi. Parce que je souffle, dit le Seigneur. Et mon esprit fait voler avec le vent ce château de cartes que le diable a placé contre ta vie. Et il n'en reste rien, te dit le Seigneur. Rompez papa 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 papa. Il y a une personne qui sent le vent, mais littéralement dans sa vie. Et elle sent que ce vent, il est comme en train d'enlever toutes les feuilles mortes. Toutes les choses qu'elle pensait qu'elle n'arriverait pas à faire. Et le Seigneur te dit, tu vis maintenant. Oh baba kinani konde bakera baba baba sitaya. Une onction aujourd'hui pour briser les joues. C'est-à-dire, dit, je te donne la force du buffle. Alléluia. Alléluia. Lève-toi un instant et dis, c'est pour moi. C'est pour moi, Seigneur. Cette huile fraîche. Cette onction, Seigneur, qui me donne la force du buffle, mon Dieu. Rumbekola, mami, badi, kore, mande, koita. Appelle-la, appelle-la, appelle-la. Dis-lui, viens sur moi, Saint-Esprit. Viens sur moi, viens sur moi. Viens sur moi, Seigneur. Viens sur moi, mon Dieu. Seigneur, tu romps les chaînes. Tu romps les chaînes, oh Dieu, et tu bénis jusqu'à la quatrième génération. Nous déclarons ta puissance, nous déclarons ta grandeur, nous déclarons ton autorité, Seigneur. Tu es celui qui rompt les chaînes, oh Dieu. Tu es celui qui rompt les chaînes, Seigneur. À la liberté, nous avons été appelés. Et nous sommes libres en Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons ton sang précieux. Nous déclarons ton sang, le sang de ton sacrifice. Sur nos générations, jusqu'à la quatrième génération de notre héritage. Oh Dieu, sur tout ce que nous avons, tu nous as donné notre corps. Tu nous libères. Tu nous libères de tout esclavage. Tu nous libères de la maladie.
Tu nous as libérés de la mort, Jésus. Oui, Seigneur. Nous nous lèverons avec toi. Oui, nous nous lèverons avec toi, Seigneur. Nous avons ta gloire. Nous avons ta gloire. C'est ta promesse sur la terre, Seigneur. Sur la terre des vivants, mon Dieu. Nous verrons ta magnificence, nous verrons ta puissance. Nous verrons que tu es Dieu. Que tu vis pour toujours. Et que tu es puissant et tu as accompli tes promesses. Tu as accompli tes promesses, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as accompli tes promesses. Chez vient une onction qui va pourrir toute espèce de joug dans l'église, vous dit le Seigneur. Toute l'église prie. Lève tes mains et ferme tes yeux. Si tu es à la télévision, tu dis, Seigneur, donne-moi cette onction. Donne-moi cette onction, Seigneur. Oh, papa, 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 comme la voix de l'Éternel au milieu des arbres, mon Dieu. Oh, oh, diable, maintenant dors au nom de Jésus. Tu les quittes, tu les lâches, tu les perds maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des maladies anciennes qui vont commencer à partir. Il y a des gens qui avaient commencé, qui avaient abandonné même l'espoir de guérir. Et le Seigneur te dit, je te guéris. Maintenant. Maintenant, te dit le Seigneur, maintenant. Oh. Je suis une tour forte et ton bouclier, te dit le Seigneur. Il y a des gens qui vont faire comme Abraham, ils vont sortir de leur tente, de la dépression. Et ils vont commencer à regarder les étoiles et ils vont commencer à dire, mon Dieu est mon roi. Alléluia. Il y a une personne qui va commencer à regarder à Dieu. Et elle avait regardé ses pieds, elle avait regardé à terre pendant des années. Et le Seigneur te dit, secoue la poussière qu'il y a sur tes pieds et marche dans ma direction, te dit l'Esprit. Marche dans ma direction. Esprit de crainte, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu les lâches. Esprit de peur. Dors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu les lâches. Toute conviction qui n'est pas de Dieu s'en va maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets ta main sur ta tête et dis-lui, Seigneur, je te soumets ma pensée maintenant. Pour que je ne sois pas perturbé, souillé et mélangé, mais que je sois pur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Maintenant les eaux sont purifiées, maintenant. Il y a des pensées nouvelles qui vont venir dans ta tête. Et le Seigneur va te conduire vers des eaux pures. Rompe sante mante monte bariba qui santa. Ropa katari mande bobo boy shaita. Il va commencer à élever ta pensée pour que tu commences à le regarder à lui et non pas à regarder les autres. Et maintenant se rompent les forteresses. Maintenant se rompent les joues du passé. Maintenant vient la libération dans ta vie. Maintenant vient la liberté, te dit l'Esprit. Souffle, Seigneur, souffle, mon Dieu. Souffle, mon roi. Sur chaque vie, Seigneur, aujourd'hui, sur chaque vie, Seigneur, sorte restaurée de cette église, sorte restaurée de ce temps avec toi, mon Dieu. Urna qui sente, monte, cariba qui chate, maya. Alléluia, alléluia, Seigneur. Mon Dieu,
Assis-toi un instant. Seigneur, nous t'exaltons et Seigneur, nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Et ce matin, nous savons, mon Dieu, que tu es si précieux, si précieux. Mon frère, ma soeur, cette semaine, j'ai eu une expérience avec Dieu. J'étais dans ma chambre. Et je ne m'attendais pas. Et le Saint-Esprit est venu. Et c'est comme des vagues d'amour liquide qui sont tombées sur moi. Et même si j'étais en train de faire autre chose, c'est quand même un temps que je lui réservais. Tu me fais comprendre? Et le Saint-Esprit sait quand tu t'attends à lui. Il sait quand tu le cherches, non? Et quand j'étais en train d'écrire cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, je veux qu'il me réserve un temps. Alors, enfin, je ne sais pas comment tu fais ou comment tu organises ta journée. C'était du soir, c'était du matin, mais réserve-lui un temps parce que ça vaut la peine. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce temps, mais toi, attends-toi à lui. Et même en dehors du temps, parce que tu vas avoir des surprises. Parce qu'il va te visiter. Et il va te visiter parce qu'il sait que tu lui réserves ce temps. Alléluia! Il va te visiter parce qu'il sait que ce temps est à lui. Et il va te visiter parce qu'il t'en fait la promesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, si tu me réserves ce temps, sois assuré parce que je viendrai. Et il y a des personnes qui vont avoir la visite de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de prier dans leur maison, pendant que je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je viendrai. Alléluia. Enfin, ma soeur, tu as une promesse de Dieu. Et la préoccupation, c'est le contraire de la foi. Et le Seigneur nous dit, ne vous préoccupez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez troublés par rien. Faites-moi simplement confiance parce que je viendrai, vous dit le Seigneur. Voilà ça, la foi, c'est la confiance que Dieu va faire. Dis avec moi la confiance. Et qui a vaincu le monde, selon vous? Selon la Bible, plutôt. Qui a vaincu le monde? Qu'est-ce qu'il a vaincu? Notre foi. Alléluia, on le dit ensemble, je peux vous entendre. Notre foi. Amen. Notre foi a vaincu le monde. La Bible nous dit en 1 Jean, chapitre 5, verset 4, « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Et ça, c'est la raison pour laquelle celui ou celle qui passe du temps avec Dieu ressource sa foi parce qu'il apprend à le connaître. Alléluia. Et quand tu connais quelqu'un et qu'il te dit qu'il vient et que tu sais que c'est une personne de confiance, tu sais qu'il va venir. Alléluia. Et même ce jour-là, même s'il est en retard, tu l'attends. Tu l'attends quand même parce qu'il a dit qu'il allait venir. Alléluia. Et Dieu, mes frères et sœurs, nous a dit qu'il allait venir à la fin nous chercher. Il a dit qu'il allait venir nous secourir. Alors peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, ce que lui demande, c'est qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Et ce qu'il demande, c'est qu'on le croit pour qu'on ne soit pas comme ce verre troublé. Mais pour qu'on soit comme ce verre pur, rempli de confiance et rempli de foi. Alléluia! Et donc Marie a choisi de ne pas se livrer à ses activités quotidiennes, mais elle a choisi de passer du temps avec Jésus. Parce qu'il était là, elle a choisi de passer du temps avec lui. Et plus tu passes de temps avec Dieu, plus ta confiance augmente et plus tu le crois parce que tu le connais. Alléluia! Parce que tu sais comment il est. Parce que tu sais quand il dit quelque chose, il le fait.
Alléluia! Mon frère, ma sœur, combien d'entre nous aujourd'hui, il y en a qui veulent se compromettre avec Dieu. Lève-toi un instant. Ferme tes yeux et dis-le à Dieu. Seigneur, j'ai compris, j'ai entendu. Je ne veux pas être comme ce vase troublé, Seigneur. Je ne veux pas courir dans ma vie après mes propres activités, mes choses quotidiennes, Seigneur. Même s'il y a des choses que je dois faire. Mais je ne veux pas qu'elles soient ma priorité, Seigneur. Sinon que toi, tu sois ma priorité, mon Dieu. Et Seigneur, j'ai compris et je vais te réserver ce temps. Et je te demande de m'aider à le faire, Père. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui je me compromets sérieusement, Seigneur, à passer du temps avec toi, Seigneur. Peu importe si tu ne viens pas au moment où je m'assois, parce que je sais que tu viendras, Seigneur. Parce que tu l'as dit et parce que tu m'as promis, Seigneur. Et aujourd'hui, mon Dieu, dans ce temps, dans ce compromis que je fais avec toi, avec les choses de l'esprit, Seigneur, je te demande de venir me montrer tout le surnaturel de ta présence, mon Dieu. Change ma vie, change ma pensée, cher Saint-Esprit. Ne sois pas comme une religion, Seigneur. Parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu es présent, Saint-Esprit. Fais un compromis de cœur. Maintenant, je te mets au défi. Je mets au défi ceux qui nous regardent maintenant, ceux qui sont dans l'église, de tenir leur parole et de se tenir avec Dieu tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie. Dis-lui, cher Saint-Esprit, tu comptes pour moi. Je sais que tu vas venir, Seigneur. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas accomplir tout ce que tu as dit que tu ferais, Seigneur mon Dieu. Et quand nous nous tenons ici dans l'église, mon Dieu, oh Seigneur, tu es si précieux, tu es si glorieux. Nettoie, Seigneur. Guéris. Restaure, Seigneur. Accomplis ce que tu as promis dans ma vie. Lève-toi, tiens-toi avec Dieu un instant. Tous ceux qui servent, devant le Seigneur maintenant. À l'endroit où vous êtes. Bougez pas, mais dites-lui. Seigneur, je veux être comme Marie, Seigneur. Pas comme Marthe. Je vais te servir et je vais te dédier mon temps. Et je sais que c'est bien. Mais ma priorité, c'est d'être avec toi. Ma priorité, c'est quand le Saint-Esprit est en train de parler. Que ce soit dans la Bible, que ce soit au travers des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Ou quand il me parle à moi. Mon temps, ce soit avec toi. Non, Terra, maman. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Je suis un pasteur et je parle avec le Saint-Esprit et je l'aime. Et je sers et je fais beaucoup de choses. Mais quand l'Esprit du Seigneur parle, alors j'arrête ce que je suis en train de faire et je me tiens avec lui. C'est... Parce qu'un jour dans ses parvis, une heure dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs, mon frère, ma soeur. C'est... Une minute dans la présence de Dieu vaut 5 mois de travail et bien plus. Dieu veut restaurer, il veut changer ton ordre de priorité. Il y a une personne dans son cœur qui dit, Seigneur, j'ai tout fait à l'envers. Le Seigneur te dit, ne crains pas, tu vas faire bien maintenant. Le Seigneur te dit, je te prends sous mon aile et je te couvre, dit le Saint-Esprit. Et je vais mettre ton ordre de priorité selon l'ordre de l'Esprit.
et non pas selon l'ordre des hommes. Il y a des ennuis, il y a des préoccupations, il y a des difficultés qui sont en train de partir maintenant dans l'église. Et beaucoup ont compris que la vie qu'ils menaient était simplement due à l'ordre qui n'était pas mis comme il fallait. Il y a une maman ici. C'est une maman de plusieurs enfants. Je ne sais pas si elle est dans l'église ou si elle est à la télévision, mais le Seigneur te dit, le chemin que tu prends est bon. Parce que dans ton cœur, tu te disposes à servir et tu te disposes à passer du temps avec moi. Et le Seigneur te dit, j'ai vu cela. J'ai vu cela, te dit le Seigneur. Oh, Raman et Baria Kisaya. Souffle de Dieu, souffle de Dieu. Oh, Plus. Lève tes mains, peuple de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, je reçois maintenant. Je reçois maintenant ta présence, Seigneur. Je reçois maintenant cette paix. Parce que tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix. Ma paix n'est pas comme celle que le monde vous donne. Et si tu veux savoir quelle est la différence, c'est parce qu'elle est spirituelle, mon frère. Paix avec Dieu au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, ton vase ne deviendra pas troublé, te dit le Seigneur. Oh non. Il va être pur. Parce que je fais le ménage dans ta vie, te dit l'Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire le ménage par eux-mêmes et par leur propre force pour se débarrasser de certains péchés. Et le Seigneur te dit, la seule manière de les laver, de les purifier, c'est de passer du temps dans ma présence et d'être lavé par les eaux de l'Esprit et par le sang de l'agneau, te dit le Seigneur. Celui qui lave son vêtement en moi, celui-là est pur, dit le Seigneur. Je veux que chacun prenne sa décision bien ferme. Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix, Seigneur. J'ai entendu ta voix, mon Dieu. J'ai entendu ta voix, Saint-Esprit. Et je sais que je dois faire comme toi, tu dis, et pas comme moi, je voulais, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Père, au nom de Jésus. Combien il y en a qui demandent l'aide de Dieu maintenant? Romps les jours, romps les paradigmes qui contrôlaient, qui dirigeaient ma vie, Seigneur. Et que ma vie soit une vie dirigée par l'Esprit. Et non pas une vie dirigée par la chair. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Souffle, Seigneur. Encore une fois sur ma vie, Saint-Esprit, souffle encore une fois. Oh Seigneur, je sais que tu es un Dieu de la seconde chance, Seigneur. Je sais que même si je n'ai pas bien fait les dizaines de fois, tu seras encore là pour me proposer la porte de sortie. Avec toute l'église, prie, toute l'église. Commence à louer, à adorer le Seigneur avec cette chanson. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Maintenant, 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 maintenant. Souffle. Esprit de Dieu, roi. Roi de Dieu. Souffle sur ma vie. Roi, ce souffle en hébreu. Souffle, roi. Souffle sur ton église. Souffle sur ma vie. Souffle, Seigneur. Réveille l'hébreu, Seigneur. Ardente, mon Dieu. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Toute l'église, toute l'église, toute l'église.
souffle sur ma vie. Roi, souffle sur ma vie, soit comme une prière et comme une chanson. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Jean-Charles, viens me voir. Juste toi. Juste toi. Proche-toi. Seigneur te dit, tu veux mon esprit? Prends-le. Prends-le. Plus de feu! Plus de feu! L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Te perturber, te dit l'esprit. Ni les circonstances, ni les émotions, ni les difficultés qui viennent. Et tu te tiendras ferme, dit le Seigneur. C'est tu auras vive le feu, dit le Seigneur. Tu auras vive le feu. Toute l'église.
l'Esprit, toute l'Église, toute l'Église. Souffle sur ma vie. Remplis du Saint-Esprit. Chez. Chez. Ceux qui sont à la télévision disent Seigneur, je veux cette onction. À vivre ce feu, Saint-Esprit. À vivre ce feu dans ma vie. À vivre le feu, Seigneur. Oh, feu et soif de toi. Maintenant, les braises ardentes. Oh, je suis sur le point de se consumer. Maintenant, il y a le feu. Maintenant, il y a le feu. Retiens-la, retiens-la, retiens-la. Parce que... Oh, l'Esprit du Seigneur est sur elle encore. C'est. Double portion, double portion. Celui qui a faim, celui qui a soif, demande au Saint-Esprit, demande. Même si tu ne sais pas comment demander, passe du temps avec lui, demande. C'est Karama. Runti di 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 bici di bilikai le mishaya. Le Seigneur vous dit, ce n'est qu'un aperçu de ce que je peux commencer à faire avec votre Église, vous dit le Seigneur. C'est Karama. Oh, Karama. Tarama mama mama. Il y a une option très forte maintenant pour l'évangélisation qui est en train de se répandre dans l'église. Il y a des personnes qui vont se lever et elles vont commencer à prêcher ma parole, vous dit le Seigneur. Des cœurs, ils vont produire des enfants spirituels. Le Seigneur vous dit, c'est le temps pour les brebis de se reproduire maintenant. Oh, de toutes celles qui viendront à boire des eaux de l'Esprit, je leur donnerai des enfants, vous dit le Seigneur. Oh, il y a cette onction, il y a cette fraîcheur du Saint-Esprit sur toi. Sois renouvelé, sois transformé. Le trouble disparaît maintenant. Maintenant, 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 tu vas devenir spirituel, te dit le Seigneur. Maintenant, j'ai enlevé ce qui t'empêchait d'approcher de moi, dit l'Esprit. Oh, Raman de Baï, celui qui m'accorde du temps, celui qui se confie en moi, celui qui s'approche de moi, dit l'Esprit. Oh, c'est Karama. Plus, 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 plus. Et le Seigneur va donner à chacun. Mais toi, cherche-le. Cherche-le. Lève tes mains. Dis-lui, Saint-Esprit, cette huile fraîche, cette huile nouvelle, Seigneur. Qui vient du ciel, Seigneur. Pour apporter ta parole, Seigneur, je dispose ma vie, Seigneur Jésus. Je dispose ma vie, Saint-Esprit. Viens. Viens. Viens maintenant, viens. Remplis-moi de cette huile, Seigneur. Remplis-moi de cette huile, remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Alléluia, Shara Makaya. Le Seigneur dit, c'est tiempo de cumplimiento de promesas que yo les he hecho. D'accomplissement des promesses que je vous ai faites dans le passé. Y sobre las que han esperado. Et sur celles que vous avez espérées. Fielmente. Bien avant. Fielmente. Fidèlement. Si el Señor alguno de ustedes. Le Seigneur dit, quelques-uns d'entre vous. Han esperado. Ont attendu. Con dificultad. Avec difficulté. Con impaciencia a veces. Avec impatience parfois. Con desesperación. Avec désespoir. Dice el Señor. Le Seigneur dit. Yo soy fiel a mis promesas. Je suis fidèle à mes promesses. Y en este tiempo muchos de ustedes van a ver el cumplimiento de promesas que les parecían ancianas. Qui leur paraissaient anciennes. Y que les parecían improbables. Qui leur paraissaient improbables. Y que en muchos de ustedes. Et en beaucoup d'entre vous. Generó incredulidad. A généré de l'incrédulité.
El tiempo de la espera. Le temps de l'attente. Pero el Señor dice, yo soy fiel a mis promesas, yo cumplo mi palabra. Dice el Señor, y te sorprenderás. Te sorprenderás. Dice el Señor, cuando el cumplimiento de la palabra se realice, tú dirás, Señor. Me lo habías dicho, Señor. Tu me l'avais dit, Seigneur. Me lo habías dicho, Señor. Y yo no creía más. Et je ne croyais plus. Yo no creía más. Et je ne croyais plus. Señor, me lo habías prometido. Tu me l'avais promis. Sí, Señor. Oui, Seigneur. Sí, Señor. Oui, creo Seigneur. En tus promesas. Je crois en tes creo promesses. En tu promesa fiel. Fidèle. Dice el Señor, hay hombres. Dit, il y a des hommes que han esperado qui ont attendu meses, des mois, años, des années. El cumplimiento de una palabra. L'accomplissement d'une parole. Y el Señor dice es tiempo de cumplimiento de mis promesas. Le Seigneur dit c'est le temps de l'accomplissement. Tus ojos de mes lo verán. Tes yeux le verront. No desmayes. Ne. Tus ojos lo verán. Dice tes el yeux Señor. Le verront, dit le Seigneur. Se precipita el tiempo del cumplimiento de las promesas. Le temps des promesses se précipite. Y tus ojos lo verán. Et tes yeux le verront. Y me glorificarás. Et tu me glorifieras. Me glorificarás. Tu me glorifieras. Dice el Señor, mi Dile nombre Seigneur, será glorificado. Mon nom sera glorifié. Mi nombre será glorificado. Mon nom sera glorifié. Ora ma cara basaya. Nante bale ba ki sante more ba ki sante mai te mai ta. Saya. Oh, le temps du déversement du Saint-Esprit est maintenant, vous dit le Seigneur. Prenez, recevez, buvez. Oh, aux eaux du salut. Oh. Celui qui a soif, vienne et prenne l'eau de la vie gratuitement, vous dit le Seigneur. Tu eres fiel, tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Todas tus palabras tendrán cumplimiento. Toutes tes paroles auront un accomplissement. Todas tus promesas tendrán cumplimiento. Auront un accomplissement. Todas tus promesas Toutes para mí tendrán cumplimiento, pour moi, Señor. Auront un accomplissement. Por ima cara bashaya. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vois qu'on applaudit ce Seigneur fort, 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 fort. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu fais dans l'église et tout ce que tu vas faire, Seigneur. Nous croyons et nous nous appuyons sur toi. Alléluia! Alléluia! Et le pasteur, c'est toi, Saint-Esprit. Et nous ne sommes que tes ouvriers, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous remettons entièrement à toi. Et nous ne sommes plus comme ces eaux troublées. Mais nous sommes comme ces eaux pures. Et nous allons recevoir la bénédiction. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'il y ait une personne qui vienne et qui emmène ça. À l'écart. Pour que ça ne se renverse pas, faites très attention, ça tâche beaucoup. Les vêtements, les choses comme ça. Est-ce que quelqu'un peut venir l'aider? Lavez-vous bien les mains après. Vous emmenez tout ça à l'écart, à l'abri, s'il vous plaît. Voilà. Et on va demander au pasteur Carlos, à la pasteur Gloria, s'ils veulent nous partager ce temps de Sainte Cène. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va vivre un culte tout à fait spécial et très différent. Le Saint-Esprit a bouleversé les codes, il a changé le modèle et on va partager la Sainte Cène. Pasteur, approchez-vous. Et ensuite, on aura un autre enseignement court. Bonjour à tous et à toutes. Bueno. Quiero compartirles. Partager. Una palabra que Dios Une puso parole en mi corazón, que Dieu a mis dans mon cœur. Y fue a través de la Santa Cena. C'est à travers de la Sainte Cène. Esta mesa. Cette table. Representa las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous.
Y cada elemento que hay sobre esta mesa. Et chaque élément qu'il y a sur cette table. Es no solamente son las promesas que Dios nos ha hecho. Non seulement représente les promesses que Dieu nous a faites. Sino que es el cumplimiento de su promesa. Que aussi l'accomplissement de cette promesse. Por eso pues vamos a explicar un poco. La raison pour laquelle on va expliquer ensemble un petit peu. El vino, como ustedes ya saben, le vin, comme vous savez, la sangre représente le sang de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Qui a été déversé pour nos péchés. El pan, le pain, representa el cuerpo de Jesús, représente le corps de que Jésus, fue molido, qui a été brisé, que fue golpeado, frappé, vituperado por cada uno de nosotros. Pour chacun d'entre nous. Y no solamente el pan representa el cuerpo de Jesús, sino que representa la palabra de Dios. Et non seulement le pain représente le corps de Jésus, mais qu'il représente la parole de Dieu. Que es vida para cada uno de nosotros. Qui est la vie pour chacun d'entre nous. Y hay algo que es muy importante. Il y a quelque chose de très important. Fue sobre todo de esto que Dios habló a mi corazón. C'est par-dessus toute chose que le Dieu a parlé à mon cœur. Y es Éxodo 3:17. Et c'est Exode 13. 3:17. Exode 3:17. Alléluia. On va le lire ensemble. C'est ma tablette qui est un petit peu lente. On veut bien me le donner. Exode 3:17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, c'est ça ? Où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébuséens, dans un pays où coule le lait et le miel. Okay. Entonces, esta palabra et alors cette parole représente la leche le la lait miel. Et le miel. Cuando nosotros lorsque nous vemos que se produce la leche y la miel. Voyons que il se produit le lait et le miel. Es porque estamos en un lugar que es apropiado. C'est parce que nous sommes dans un endroit approprié. Que cumple las características. Qui accomplit les caractéristiques. Para que se produzca la leche. Pour y que la se miel. Produise le lait et le miel. Y para nosotros representa pour nous, la promesa, sa la abundancia, l'abondance para nuestras vidas, pour pero nos también vies, mais aussi representa cela représente aussi esta tierra que Dios nos ha cette dado terre que Dieu nous a donnée y que fluye leche y miel. Où, sur laquelle coule le lait et le miel. Nosotros, con mi esposo, nous, avec mon mari, vinimos a este país, sommes venus dans ce pays y podemos decir et nous pouvons dire que en este país, dans ce pays Dios nos buscó para servirle. Dieu nous a cherché pour le servir. Y para nosotros, este país representa et pour nous, ce pays esa représente promesa, cette la leche promesse, y la le lait et le miel. Pero también representa mais aussi, esa promesa il représente cette promesse de, salvación de salut para nosotros y para cada pour uno nous de ustedes. Et pour chacun d'entre porque nous. Dios ha prometido parce que Dieu a promis que nosotros vamos a estar con que él nous allions être avec y lui que en ese lugar et que dans cet endroit vamos a tener abundancia nous allons y no avoir faltará de nada l'abondance et qu'il ne nous manquera rien. Esta velita cette bougie que tengo aquí que j'ai là, cette petite bougie que j'ai là. También ha puesto Dios esto en mi corazón. Dieu a placé aussi cela dans mon cœur. Representa nuestras vidas. Qui représente nos vies. Porque esta vela, si, parce que cette bougie, si, no está prendida, si elle n'est pas allumée, solo sirve de adorno. Elle sert seulement de décoration. No sirve para nada. Elle ne sert à rien. Y así somos nosotros. Et parfois c'est comme ça que nous sommes. Si nosotros no alumbramos, si nous ne nous allumons pas, nuestra vida cristiana, notre vie chrétienne, no sirve para nada. Ça ne sert à rien. Es necesario que seamos c'est una luz. Il est nécessaire que nous soyons une lumière. Y que alumbremos. Et que nous allumions. Para que nosotros podamos pour llevar que nous puissions amener esa luz a muchos más. Cette lumière à beaucoup. Para que en esta tierra, pour que sur cette terre, donde Dios nos ha puesto, où Dieu nous a placés, y ha cumplido sus promesas, et a accompli ses promesses, y va a cumplir sus promesas, et va accomplir ses promesses, nosotros seamos luz nous en soyons medio de las tinieblas. La lumière au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia.
On va servir cette sainte scène alors. On va demander si peut-être notre sœur Loïse, tu veux venir nous aider. Viens, approche-toi. Voilà. Tiens, on va demander à Loïse si elle peut donner un coup de main. Voilà. C'est toi, pasteur, avec le prince. Patrick, si tu veux ouvrir la fenêtre qui se trouve derrière, s'il te plaît. Que nous puissions retirer le masque pour prendre la Sainte Cène. Voilà. C'est ça. Señor, hoy te damos gracias. Seigneur, nous te remercions. Por este pan, Señor. Pour ce pain, Seigneur. Que representa tu cuerpo. Qui représente ton corps. Señor, gracias. Mais, Seigneur, merci. Porque sin que lo mereciéramos. Parce que sans que nous le méritions. Tu entregaste tu cuerpo tu por cada uno de nosotros. Pour chacun d'entre nous. Señor, ayúdanos. Seigneur, aide-nous. Para que nosotros no invalidemos. Pour que nous n'invalidions pas. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Que tu as fait à la croix. Manger le pain. Te damos gracias también, Señor, por este vino. Remercions aussi, Seigneur, pour ce vin. Que representa tu sangre. Qui représente ton sang. Esa sangre que tú derramaste. Que tu as déversé. En la cruz. À la croix. Para el perdón de nuestros pecados. Pour le pardon de nos péchés. Señor, porque sin que mereciéramos. Seigneur, parce que sans que nous le méritions. Tú trajiste perdón, Señor. Tu as amené le pardon. Y nos has hecho, Señor, herederos. Tu nous as rendu héritiers. De tu promesa, de tes promesses, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Por esa sangre que libera. Pour ce sang qui libère. Que sana. Qui guérit. Que limpia. Qui lave. Que transforma, qui transforme, Seigneur. Hoy te damos gracias. Aujourd'hui, nous te remercions. Con todo nuestro corazón. Avec tout notre cœur. Porque tú lo entregaste Parce que todo tu en esa cruz. As tout remis sur cette croix. Por nosotros. Pour nous. Y te pedimos perdón, Et nous Señor, te demandons pardon, por Seigneur, nuestros pecados, pour nos péchés. Porque lo que queremos Parce que ce que nous voulons, es agradarte. C'est te plaire, buscarte. C'est te chercher. Glorificarte. C'est te glorifier, Seigneur, y servirte, Señor, Et te servir, Seigneur. Para que muchos también, pour que Señor, beaucoup aussi, Seigneur, conozcan tu promesa, connaissent tes promesses a través de nosotros. Au travers de nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Amen. On a pris la Sainte Cène. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons, mon Dieu. Et on va...
Alléluia. J'ai voulu vous faire partager un enseignement simple que j'ai préparé pour l'Institut biblique et qui va porter sur l'offrande. Amen. Un enseignement court. Et on va regarder ensemble aujourd'hui comme un tout petit disciple là, non ? Un aspect de l'offrande. Amen. Si on peut nous présenter la première diapositive, ma sœur Rachel. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc pour vous dire que faire une offrande, c'est une chose qui est très importante aux yeux de Dieu. Et on doit comprendre ce qu'on fait quand on le pratique. Il y a différents types d'offrandes dans la Bible. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'offrande d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on peut offrir notre cœur dans la louange. Il y a tellement d'offrandes, non ? Amen. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de quand on fait une offrande à l'église, quand on apporte de l'argent. Le prophète Agée, en Agée au chapitre 2, verset 8, nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » C'est à qui cet or ? À la Banque de France ? Non. Hein ? Il appartient à qui ? Au Seigneur. Amen ! Je me fais comprendre ? Et quand il dit ça, le prophète, il nous montre clairement que toutes ces choses ont été créées par Dieu. Je voudrais être bien clair sur le fait que Dieu a besoin ni de notre or, ni de notre argent, et qu'il est infiniment riche de richesses terrestres, de richesses célestes, qu'il a créées et qui sont seulement un reflet de ce que lui, il possède, ou de ce que lui, il lui appartient. C'est vrai que les hommes pourraient être fascinés par ces choses-là, non ? Mais pour Dieu, c'est... Est-ce que la Bible ne dit pas que la Nouvelle Jérusalem a des rues pavées en or ? C'est-à-dire, l'or, c'est commun pour Dieu. Viens avec moi, pour lui, c'est commun. Amen ? Quand Dieu libère le peuple d'Israël et qu'il fait de lui un peuple à part, au moment où Moïse, le prophète Moïse, monte sur le mont Sinaï, la première chose que Dieu lui demande, c'est de prendre une offrande pour édifier le tabernacle. Et imaginez-vous l'importance que cette offrande peut revêtir aux yeux de Dieu. Parce qu'il vient de les libérer de l'esclavage des Égyptiens en les faisant sortir à main forte, à bras étendus. Il leur fait traverser la mer Rouge. Et une fois arrivés au Sinaï, une fois qu'ils arrivent à la montagne de Dieu, il montre sa gloire aux yeux de tous. Le Saint-Esprit se manifeste et Dieu demande une offrande. Wow ! On va lire ces versets ensemble. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent une offrande pour moi. Vous recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y disposera. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux. De l'or, de l'argent et de l'airain. De la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre. » Vous avez vu que j'ai mis en jaune la partie qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on n'est pas venu avec du poil de chèvre. Alléluia. Moins qu'il y en ait dans leur sac peut-être. Mais... Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur demande encore ? Des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux couleur d'hyacinthe, et du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssure pour l'éphod et pour le pectoral, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia ! Donc un des buts de l'offrande, c'est d'édifier le temple, c'est d'édifier le sanctuaire. Vous vous souvenez qu'on avait parlé ensemble de la tente de la rencontre, mes frères et sœurs ? Alléluia ! Et aujourd'hui, pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église, non ? Alléluia ! Parce que bien sûr, vous allez dire, « Pasteur, tu nous as parlé que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. » Oui, c'est vrai. Et il est la tente. Amen. Mais il y a aussi un endroit dans lequel on se réunit tous les dimanches. Et un endroit physique cette fois-ci. Et ça, c'est l'Église, non ? Amen.
Et donc Dieu voulait qu'ils édifient un endroit pour lui, un endroit où ils pourraient le rencontrer. Et c'était un lieu de valeur qui était fait avec des choses très chères. Et il voulait qu'il participe à ça en lui accordant de la valeur et en faisant des efforts pour être sûr et certain de graver dans leur cœur la grande importance que ça avait. Alléluia! Et donc dans chaque dimanche, quand on se réunit dans l'église, dans cet endroit, on a une rencontre très spéciale avec Dieu. Dieu nous montre qu'il veut qu'on participe à l'édification et à la construction de son temple. Amen. Et donc l'offrande, c'est un ordre de Dieu et pas des hommes. Alléluia. Ça, vous avez vu, j'ai écrit en grand. L'offrande est un ordre donné par Dieu et ne vient pas des hommes. Alléluia. Et on n'est pas en train de parler des dîmes, parce que l'offrande, c'est une chose qu'on ajoute en plus de notre dîme. Dis avec moi, c'est en plus. Amen. Et je voudrais bien que vous regardiez ce que nous dit la parole au verset 2, parce qu'il dit « Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me l'offrira volontairement. » Amen. C'est-à-dire, c'est pas obligé. L'offrande, c'est quelque chose de volontaire. Amen. Dis avec moi, c'est volontaire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ça doit venir du cœur. C'est quelque chose avec lequel on décide d'honorer Dieu volontairement et de tout notre cœur. Dis avec moi, de tout notre cœur. Amen. Et donc, je voudrais que vous notiez aussi que cette offrande, elle provenait de l'or que Dieu leur avait pourvu quand ils sont sortis d'Égypte. Dans le désert, il n'y avait pas de travail, personne n'avait de salaire. Ils n'en avaient pas non plus avant, parce qu'avant, ils étaient des esclaves. Et ils étaient, ça veut dire qu'ils n'étaient pas payés, parce qu'ils n'étaient pas des ouvriers, n'est-ce pas? À moins qu'aux esclaves, tu leur donnes un salaire, toi. Mais moi, je crois que quand tu es esclave, tu ne reçois pas de salaire, non? Donc, ça veut dire que personne n'avait d'argent, sauf l'argent que Dieu leur avait donné quand ils sont sortis d'Égypte. Rappelez-vous bien que Dieu a mis dans leur cœur et leur a dit de demander aux Égyptiens des vases d'or et des vases d'argent. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Alléluia! Et donc Dieu est en train de leur demander de faire une offrande sur ce que lui, il leur avait donné. Et non pas sur ce qu'ils n'avaient pas. Alors qu'est-ce que Dieu était en train de faire, finalement? Il était en train de leur donner une opportunité d'être bénis en participant à la construction du tabernacle. Amen. Et donc c'est quoi l'offrande? L'offrande, c'est une chose avec laquelle Dieu te donne l'opportunité d'être béni en donnant en plus de tes dîmes. Et en participant à la construction de ton église, en participant à l'édification de l'œuvre de Dieu. Donc je rappelle les trois caractéristiques. L'offrande doit être quoi? Obligée avec un pistolet sur la tête? Non, elle est quoi? Volontaire. Dis avec moi, volontaire. Amen. La deuxième, c'est quoi? L'offrande doit être faite de cœur. Amen. Et la troisième, l'offrande est faite avec ce que tu as. Elle provient de ce que Dieu t'a donné. Amen. Pas de ce que tu n'as pas. Et il y a beaucoup d'entre nous qui parfois oublient ces caractéristiques qui sont importantes si on veut recevoir quelque chose. La Bible, dans le livre de Samuel, nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Amen. J'ai pris cette petite fille parce que vraiment, vous voyez qu'elle, on ne voit pas bien ses mains, mais elle est très sincère. Hein? Et elle dit, Seigneur, et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu sait ce qu'on a à l'intérieur, il connaît notre cœur, il connaît nos pensées, et même tout ce qu'on ne sait pas à propos de nous-mêmes. Et c'est très important de comprendre que Dieu considère le cœur avec lequel on donne. Et donc, si quelqu'un donne pour être vu, il a sa récompense, nous dit le Seigneur. C'est-à-dire, il a été vu. Mais s'il donne parce qu'il aime Dieu, s'il donne parce qu'il le considère, alors il peut s'attendre à recevoir quoi? Une bonne mesure, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Serré, secoué et qui déborde. Alléluia! Vous avez vu qu'il en a tellement lui qu'il est même, assis dessus, non? Alléluia! C'est-à-dire, merci Seigneur. Et je crois que c'est ce qu'on doit prendre en compte quand on fait une offrande, mais on ne doit pas oublier qu'une offrande, c'est une semence. Amen. Et que cette semence, elle pousse
Regardez ce que nous dit la Bible. Le royaume de Dieu est semblable à ce qui arrive lorsqu'un homme a jeté de la semence en terre, soit qu'il dorme ou qu'il se lève durant la nuit et durant le jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est-à-dire, on ne sait pas comment, mais un jour elle pousse et ensuite elle nous donne des fruits. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Tu sèmes, tu te couches et un jour tu te lèves et Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Je vais prendre cet exemple. Moi, j'aime bien ma femme parce que le jour de notre anniversaire ou le jour où c'est mon anniversaire ou c'est notre anniversaire de mariage, elle se lève en chantant et en dansant et elle commence à pousser des cris, non? Et si jamais tu ne te souvenais pas que c'était ce jour-là, là, tu es sûr que... C'est vrai, hein? Et mon frère, ma soeur, c'est comme ça que ça va se passer pour toi, le Seigneur, un jour, tu vas te lever, et tu vas te lever en chantant et en dansant, parce que tu vas voir ton compte bancaire et Dieu t'aura béni. Alléluia! Et tu vas pousser des cris, comme si tu avais gagné au loto, mais tu ne joues pas au loto. Alléluia! Parce que le jeu, c'est un péché, mon frère, ma soeur. Mais l'offrande à Dieu, c'est une bénédiction. Amen! Alléluia! Merci, Seigneur. Mais il y a une chose qu'on doit faire aussi, c'est que pendant tout ce temps, pendant tout ce processus durant lequel ça passe, on arrose ça avec foi pour que ça grandisse plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des idiots, non ? Personne ne va semer quelque chose pour le laisser ensuite mourir de soif, sinon qu'à la place, plutôt, il va surveiller, il va garder sa semence pour s'assurer qu'elle va pousser, non ? Alléluia ! Et ça, c'est ce que tu dois faire, tu dois garder la semence dans ton cœur. Et tu dois l'arroser avec ta foi pour être sûr qu'elle pousse. Alléluia. Merci Seigneur. Pablo Hoff, qui est un théologien de renom contemporain, dans son livre sur le Pentateuch, sur l'Ancien Testament, nous dit que la première chose que Dieu a demandé, c'était une offrande. Et il dit que le tabernacle, qui pour nous est l'équivalent d'une certaine façon de l'Église aussi aujourd'hui, alléluia. Il nous dit que ce tabernacle, il a été construit avec les offrandes volontaires du peuple parce que Dieu désirait voir un cœur bien disposé. Et il dit aussi que personne n'a été forcé à donner. Il dit qu'il n'y avait aucune obligation, excepté celle qui vient de l'amour et de la gratitude. Et il dit aussi que ces offrandes, elles étaient très coûteuses et que si on calculait le prix aujourd'hui, ça vaudrait plus d'un million de dollars. Regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, on est en train de parler d'un million de dollars. Un million. On voudrait bien voir ça, hein. Un million. Et donc, on n'est pas en train de parler d'offrandes qui sont étriquées, où chacun donnait ce qu'il avait en trop. On est en train de parler d'une véritable offrande d'amour. Parce que chacun aimait Dieu et voulait contribuer à édifier l'endroit où ils allaient pouvoir avoir une rencontre avec lui. Il y avait quoi, l'amour? Faire une offrande, c'est un acte de quoi? D'amour. Et la Bible nous dit que les Israélites, ils donnaient avec joie, avec une telle générosité que ça a été nécessaire de suspendre l'offrande. Vous trouvez ça en Exode 36, versets 5 et 7. Imaginez-vous qu'à la fin, il y avait tellement d'argent, tellement d'offrandes sur l'autel que Moïse, il a dû arrêter. Il a dit, hey, stop ! C'est assez, il y en a trop ! On ne sait plus où les mettre ! Et il y a quelque chose qui m'attire l'attention, c'est la joie. La Bible nous dit... que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Alors j'ai pris ce couple là qui, parce que vraiment on voit que il a la certitude qu'il va, il a gagné, il va recevoir quelque chose, non? Je crois que ça illustre bien, parce que vraiment, si on regarde le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot gilaros, qui veut dire propice ou allègre, et qui nous a donné le mot hilarant. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle Sarah. Quand elle s'est mise à rire aux éclats parce que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui annonçait qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle était déjà âgée et qu'elle, normalement, ne pouvait plus concevoir. Donc on est en train de parler d'une bénédiction spirituelle qui fait que tu possèdes ta bénédiction avant même que tu l'aies reçue, mon frère, ma sœur. Alléluia ! C'est-à-dire que tu ne l'as pas encore, mais en esprit, tu sais, tu as la révélation que tu vas la posséder, elle va être à toi. Et Dieu aime les gens comme ça qui se réjouissent en donnant leur offrande parce qu'ils savent, ils ont la conviction dans leur esprit qu'ils vont l'obtenir. C'est-à-dire, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et donc, il y en a parmi vous beaucoup qui vont recevoir parce qu'ils vont comprendre le cœur avec lequel on fait une offrande, c'est-à-dire avec joie. Amen.
Les Israélites y donnaient avec joie parce qu'ils avaient compris dans leur esprit la bénédiction qu'il y avait à le faire. Et je voudrais terminer avec le dernier aspect. Dans la troisième lettre de Jean, l'apôtre Jean nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu sois que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je souhaite que tu sois quoi ? Prospère. C'est-à-dire que tu réussisses, que la vie te sourit, que tu aies un bon salaire, que tu sois béni, tu aies une bonne maison. C'est mon objectif, il dit le Seigneur. Alléluia ! Amen. Et regardez bien ce qu'il dit. En quoi Dieu veut qu'on soit prospère ? En toutes, à tous égards. Il y a d'autres versions qui traduisent en toutes choses, pour tous les aspects. Ce que le Seigneur nous dit. Et regardez bien, parce que l'apôtre Jean s'adresse à tous ceux qui sont des bien-aimés de Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. Bien-aimés. Qui sont les bien-aimés ? Combien il y en a qui sont bien-aimés par Dieu ? Alléluia ! Alors regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, c'est pour toi. C'est pour toi, parce que c'est l'objectif de Dieu. Dieu veut prospérer, Dieu veut bénir ta vie. Amen ! Et il veut que tu sois béni, il veut que tu prospères, ainsi que prospère ton âme, ainsi que prospère ta pensée. Et il a prévu que tu puisses donner une offrande pour que tu puisses le devenir. Alléluia ! Amen ! Qu'est-ce qu'il veut donner une offrande aujourd'hui ? Moi, je veux. À moi, le Seigneur me parle et il me montre qu'en plus de ma dîme, je vais apporter une offrande. Alléluia. Et je l'ai préparé avant le culte parce que je savais que c'était un moment spécial pour ça. On va prendre ensemble les enveloppes qu'il y a sur nos chaises. Alléluia. Dans lequel Dieu nous montre cette prospérité qu'il veut nous accorder. Amen. Et on va mettre nos dîmes et on va mettre une offrande. Amen. Et après, une fois qu'on aura mis cette offrande dans le panier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va croire avec foi et on va l'arroser. Dis avec moi, on va l'arroser. C'est-à-dire quand tu vas rentrer à ta maison, tu vas dire à Dieu dans ton cœur, Seigneur, je me rappelle de l'offrande que je t'ai apportée, rappelle-t'en Seigneur. Seigneur, j'ai apporté une offrande pour l'édification de ton église ce dimanche. Et elle compte à tes yeux, Seigneur. Alléluia. Et toute la semaine, tous les jours, tu vas être là en train de la ramener à Dieu, dans ton cœur. Et quand tu la donnes, je veux que tu la donnes avec joie, c'est-à-dire avec vraiment cette allégresse de savoir que Dieu veut te donner et Dieu veut te prospérer. Amen. J'espère que je vous ai donné les clés qui vont vous permettre d'obtenir des choses que vous n'aviez pas encore obtenues auparavant. Parce que ça paraît simple, mais des fois, on ne le fait pas toujours comme ça, non ? Alléluia. Je voudrais que l'Église, elle arrive à le faire avec des critères bibliques, non ? Amen. Et parce que la clé de la réussite dans la parole de Dieu, c'est quand on l'a fait comme lui, il l'a dit. Amen. Vous savez pourquoi on ne reçoit pas parfois ? Parce qu'on l'a fait, mais pas tout à fait comme lui, il l'a dit. Alors le Seigneur, il dit, tu y es presque, essaye encore. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'améliore et on dit, ok, ça y est. Maintenant, j'ai compris. Ah, il fallait que je mette mon cœur. Mais je l'avais mis qu'en partie. Et finalement, je regardais mon offrande, mais peut-être pas avec les yeux que tu voulais que je la regarde. Aide-moi à la regarder avec tes yeux, Seigneur. Alléluia ! À quoi sert l'offrande ? Elle sert à ce que le peuple de Dieu accorde de la valeur à l'Église, qui est l'œuvre de Dieu pour nous tous. Je me fais comprendre ? C'est pour ça que quand quelqu'un y donne, tu sais qu'il aime l'Église, parce que c'est l'endroit où il vit. Alléluia ! Combien il y en a qui sont prêts à payer un grand loyer pour avoir un bel appartement ? Une belle maison. Ou l'acheter. On est tous prêts à faire des sacrifices pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est notre maison, non ? Pasteur Carlos, t'as acheté une maison il y a quelques années. Elle te coûte ? Tous les jours. Hein. Et en plus, tu dois travailler dedans pour la construire pour qu'elle soit belle, non ? Parce que ta femme, sinon, elle te... Non. Non, je l'embête. Parce qu'elle veut une belle maison, non ? Alléluia. Et donc, cette maison, elle a de la valeur à vos yeux. Amen. Combien plus la maison du Seigneur, mes frères et sœurs ? Je me fais comprendre ? Nous tous, on veut une maison, mais la maison du Seigneur, c'est la plus belle. Alléluia ! On est prêt à donner notre offrande ? Seigneur, prends en considération l'offrande de chacun, Seigneur. Celui qui est sur Internet, Seigneur, qui prend en considération cette maison, c'est ta maison aussi. Et tu l'as bâti, quand tu l'as construit, quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes ton offrande, je rappelle que les dîmes appartiennent à Dieu, quand tu donnes ton offrande, tu construis l'église, tu construis le centre de vie de la foi, à travers lequel tu reçois chaque dimanche
la parole de la bénédiction et le Seigneur va tenir en compte ton offrande. Alléluia! On est tous prêts? On peut remplir l'offrande, on peut donner avec votre carte, on peut faire un chèque, un virement bancaire, on peut envoyer avec PayPal, sur le site internet, sur videlafoi.com. Il y a différentes manières d'honorer Dieu. Alléluia! Et la pasteur Gloria, le pasteur Carlos, tout à l'heure, quand on a pris la Sainte Seine, ils vous ont montré le lait et le miel. Je voudrais qu'on le montre un instant. Et c'est quoi le lait et le miel? C'est la promesse de la richesse dans la terre que Dieu va vous donner. Alléluia! C'est l'abondance, promesse de l'abondance. Est-ce que ça ne s'applique pas à l'argent, mon frère, ma soeur? Est-ce que la Bible ne dit pas qu'ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient pas construites? Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu leur a donné, quand ils sont rentrés dans cette terre, toutes sortes de choses qu'ils n'avaient pas prévu de recevoir, qu'ils ne pensaient même pas recevoir? Et Dieu va te surprendre, mon frère, ma soeur, quand tu vas faire cette offrande, parce que Dieu va t'accorder une libéralité financière dans ce que tu es en train de lui donner, parce que Dieu veut ouvrir aussi la promesse pour toi, pour cette terre. Amen. Alléluia, je voudrais qu'on prenne notre enveloppe et on va se lever. Si vous avez préparé votre offrande, ma sœur Rachel, si tu veux bien passer. Et tu dis, Seigneur, c'est pour toi, mon roi. C'est pour toi, mon Dieu. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te glorifie. Et je me réjouis, Seigneur. Parce que je sais que je vais posséder ce que tu m'as promis. Alléluia. Combien il y en a qui disent gloire à Dieu aujourd'hui? Amen. Ça, il y a des églises de présents dans lesquelles on se met à danser et à sauter parce qu'on sait que le Seigneur a décidé de nous bénir. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je vais semer et je voudrais que tu sèmes aussi et tu puisses dire, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui vis, celui que tu vois, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, donnez ma victoire. Jésus-Christ, mon ami, ma gloire. Je sais, ce n'est pas moi qui vis, celui que tu vois. Celui qui est capable de donner, c'est pas moi, c'est le Seigneur à travers moi. Alléluia. Celui qui est capable de faire cette offrande maintenant, c'est ce vieil hymne là qu'on a tous chanté et on l'applique parfois qu'à un domaine de notre vie, non? Mais donner, c'est un acte de foi, mon frère, ma soeur. Je crois que Dieu va me bénir et que cette église va augmenter et va prospérer aussi. Et je vais aider à la construire. Alléluia! Amen! Tu es ma victoire. Que toute l'église se lève et commence à chanter. Ma victoire, Seigneur! C'est toi! Mon ami, ma gloire. Vivons dans la foi! Vivons dans la foi! Je sais, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui que tu vois. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Encore vivant comme dans la foi, je suis. Ce n'est pas moi qui vis, celui que tu vois. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es ma victoire. Jésus-Christ, mon ami, ma gloire. Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es ma victoire. Jésus-Christ, mon ami, ma gloire. Alléluia, si on a tous donné, je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant et on dise, Seigneur, tu vois mon offrande aujourd'hui et demain je vais t'en amener une encore meilleure. De ce que tu m'as donné, mon Dieu, et j'ai confiance que tu vas me prospérer et tu vas me bénir cette semaine pour que je puisse en apporter une plus grande au nom de Jésus. Alléluia! Amen! Merci Seigneur! Vous savez à quoi je vais comparer cette offrande? Je vois que personne ne me comprenne mal quand je vais expliquer ça. Quand tu payes un impôt, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne veux pas payer d'impôt parce que
ça va aller à l'État, et l'État, ils vont faire ce qu'il en veut, non ? Et on dit non, mais payer un impôt, c'est pas bien. Mais quand tu payes un impôt, tu sais pourquoi c'est bien ? Parce que ça veut dire que tu gagnes beaucoup. Ça veut dire que tu gagnes plus ! Donc si tu payais pas d'impôt, moi je te dis que dans l'année qui va venir, tu vas en payer parce que le Seigneur va t'accorder bien plus. Alléluia ! Écoute bien cette parole ! Et tu vas en profiter. Et bien sûr, tu vas en retirer une partie que tu vas donner à l'État, parce que la Bible dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il faut rendre à l'État ce qui lui appartient, et on va lui donner ce qui lui appartient. Amen. Mais il y a une chose que tu dois savoir, tu vas profiter de tout ce qu'il y a par-dessus et que Dieu t'a donné. Alléluia. Je me suis bien fait comprendre. Amen. Merci Seigneur. Il y en a qui ont la foi. Il y en a qui croient qu'ils vont recevoir. Il y en a qui maintenant, ils ont la victoire avant la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on a compris comment on donne une offrande? Est-ce qu'on a compris qu'avec le cœur et avec la foi, et parce qu'on l'entretient, on obtient? C'est simple, non? Alléluia. Ferme tes yeux un instant et tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie de m'enseigner parce que tu as prévu que je sois prospère et que je sois béni, Seigneur. Et je te demande de m'aider à l'appliquer, Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. On dit à ceux qui nous regardent à la télévision, à dimanche prochain, à 10h30. Ceux qui peuvent venir, venez ici parce qu'on a été tellement bénis aujourd'hui. Alléluia. Quand tu peux te déplacer, est-ce que c'est pas mieux dans l'église encore? Bien sûr que c'est mieux. Et le Seigneur soit avec vous à chaque instant durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia.